passe là-dedans. Je crois que c'est Gaia Everfree, ou plutôt quelqu'un qui essaye de nous faire croire qu'elle est de retour. Suis-moi. Wow. Cette grotte est merveilleuse. Il y a de la magie d'Equestria ici. Je le sens. Ça ne fait aucun doute. Attendez. Je croyais que Romain l'avait inventé de toutes pièces, cet esprit de la forêt. Tu crois qu'il existe? Romain? Mais qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Rien du tout. Il n'y a que moi. Gloriosa? Mais Romain, j'étais sûre que c'était lui qui voulait faire croire que Gaia Everfree était de retour. Alors c'est toi qui as essayé de nous chasser en nous effrayant? Non, jamais je n'essayerai de chasser qui que ce soit du camp Everfree. Quel dommage. Vous êtes en retard dans vos paiements, ma chère Gloriosa. C'est à moi qu'appartient cet endroit maintenant. Je vous en prie, ce sont mes grands-parents qui ont fondé cet endroit. Ce camp est dans la famille depuis des générations. Il ne peut pas disparaître, c'est impossible. Vous voulez que je renonce à l'idée d'en faire un centre de détente et de gagner infiniment plus d'argent que je ne pourrais le faire avec ce camp ridicule? C'est plutôt ça qui est impossible. Je vous en prie, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu plus de temps. Très bien. Alors, je vous laisse encore jusqu'à la fin du mois. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je sais ce dont elles sont capables. Je me suis entraînée. Je contrôle leur pouvoir maintenant. Ça, tu es loin d'en être sûr. C'est notre camp et on veut nous l'arracher. Si cette semaine doit être la dernière que nous passons ici, je ferai ce qu'il faut pour qu'elles puissent tout changer. Ta magie un peu partout dans le camp. Il fallait que j'invente quelque chose pour te couvrir. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Tu n'avais pas besoin de leur raconter cette histoire, idiote. Un point, c'est tout. Ah, c'est trop de pression pour toi, Gloriosa. Il faut que tu t'en débarrasses. Romain ne voulait pas dire que tu devais abandonner le camp. En fait, il voulait que tu te débarrasses de ces pierres magiques. Et toi, tu faisais tout ça pour que nous passions la plus belle semaine de notre vie. Mais à chaque fois que tu utilisais cette magie, cela créait un autre problème plus grave ailleurs. Et Romain a essayé de te couvrir. Comment sais-tu ce que j'ai fait avec ces pierres, hein? Et comment es-tu au courant pour la magie? Je vois les choses. Et je les sens. Parce que moi aussi, j'ai des pouvoirs. Comme Twilight. Comme toutes nos amies. Gloriosa, Romain n'avait pas tort. Tu devrais arrêter d'utiliser cette magie. Quand on ne peut pas la contrôler, elle peut être très dangereuse. Oh, mais je le peux. Et j'ai l'intention de l'utiliser pour sauver mon camp. Tout ce qu'il me faut, c'est encore plus de pouvoir. Désolée, les filles. Je sais ce qu'il me reste à faire, mais nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Donc... Gloriosa!